Ça va les coups. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, du mois de mars, sera sur une thématique capitale, vitale, primordiale. Sera la mosquée. La mosquée est le centre de tous les intérêts de la communauté musulmane. On va commencer par le verset du Coran. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, Surat la caverne, chapitre 18, Surat Mekwaz. Mais le verset, c'est un verset médinois, verset 28. Qu'est-ce qu'Allah dit ? Wasbir nafsaka. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه. Dans le sens, Allah Ta'ala dit, hey Mohamed, résigne-toi, patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir et qui ne cherchent le visage d'Allah. Écoutez bien, l'imam Tabari raconte dans son recueil que Abdurrahman ibn Hunayf al-Sahli radiyallahu anhu raconte que quand le prophète alayhi salatu salam a reçu ce verset du Coran, il se trouvait chez lui. Sa peau est devenue grise, il s'est mis à trembler. Il reçoit ce verset du Coran. Vous savez ce qu'il va faire? Il y avait deux endroits à Médine où les musulmans se réunissaient. Soit les cinq marchés de Médine qui appartenaient à la communauté juive, et le sixième qui appartenait à la périphérie aux musulmans. Ou alors la mosquée. Il a pris le chemin de la mosquée. Il va à la mosquée, il rentre. Et qu'est-ce qu'il voit dans la mosquée? Un groupe de compagnons assis, des pauvres, avec un seul vêtement, tête nue. Et il dit, je remercie Allah, louange à Allah, qui a fait de cette communauté des hommes comme vous. Louange à Allah, qui m'a recommandé de patienter avec ma communauté pour apprendre la patience. Vivant et mort, je serai toujours avec vous. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, il éduque le prophète, alayhi salatu salam, en direct et avec des situations et par le biais des hommes. Et Allah, il demande au prophète, alayhi salatu wassalam, Mohammed, ton éducation n'est pas terminée. Si tu veux t'éduquer, tu restes avec les gens humbles, modestes, pauvres, dans la maison d'Allah. Ça, c'est le prophète. Qu'en est-il pour nous? Ça, c'est le messager de Dieu. Allah lui dit, wasbir, patient avec les gens qui invoquent ton Seigneur. Ça, c'est le premier verset du Coran. On va commencer direct avec une histoire. Mais avant l'histoire, pour comprendre ce que c'est que la mosquée, je fais une introduction. Après 15 jours de voyage, le prophète Mohammed alayhi salatu salam rentre le lundi 12 Rabir à Quba, à 3 km de Médine. Il construit la mosquée de 100 coudées sur 100 coudées et 3 coudées de profondeur. Il reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il s'en va en direction de Médine. À Urfa, il laisse Abu Bakr, et il fait pour la première fois de l'histoire de l'islam, Salat al-Jumu'ah avec son compagnon. Il rentre à Médine,
deux orphelins, Sahel et Souheil, donnent gratuitement le terrain et le prophète construit la mosquée qui va durer 7 mois et il sera abrité chez Abu Ayyub al-Ansari. La mosquée, au bout de 7 mois, fera 805 mètres carrés. Dans la mosquée, il n'y aura que les versets mécois. 81, il manquera 34, 33 sourates médinoises. Tauba, Imran, Nisal, Baqara. Que va-t-il se passer dans cette mosquée? Le prophète, alayhi salatu salam, écoutez bien, en l'an 2 de l'Hégire, il va instituer l'Éden. En l'an 7 de l'Hégire, un chrétien va lui construire un mimbar. Après la mort du prophète, alayhi salatu salam, Walid ibn Abdel Malik, le calife, qui est le fils de Walid Malik ibn Marwan, calife numéro 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire des alcôves, ce qu'on appelle des niches, al-mihrab. 2 ans après, en 85, il va construire al-madhana, ce qu'on appelle al-minara aujourd'hui, ce qu'on appelle des minarets copiés sur les clochers des églises syriaques. Très bien. Voici l'histoire. Elle se trouve dans l'authentique de l'imam al-Bukhari au tome 5, chapitre 58, hadith 659. Il est narré par Abi Huraira radiallahu anhu. Magnifique hadith. Il faut que le monde entier pratique ce hadith. Il faut que surtout les présidents de mosquées, les imams, qui sont visés par ce hadith, et même le non-musulman, et le monde non-musulman, doit connaître cette histoire. Vous savez pourquoi? Pour connaître l'excellence du comportement du prophète alayhi salatu wasalam. Nous sommes en 628. Le prophète alayhi salatu wasalam envoie une délégation avec 8 délégués vers des tribus, dont une de la tribu de Yamama, des Banu Hanifa. Al-Yamama, elle n'existe plus. C'est à côté aujourd'hui de Riyad, en Arabie. Quand il envoie ses délégations vers un chef de tribu qui s'appelle Tumama ibn Athal, quand il voit la lettre du prophète, alayhi salatu wasalam, rouge de colère, il tue tous les ambassadeurs. Pas un seul vivant. Les compagnons reportent à Médine, le prophète a dit, Allah s'occupera de son affaire. Un an plus tard, Tumama ibn Athal s'en va au pèlerinage païen. Et en plein chemin, il y avait une patrouille de compagnons qui ont vu ses ennemis de l'islam. Ils les ont ramenés à Médine. Ils ont attrapé le chef, ne le connaissant pas, et l'ont ligoté à un pilier de la mosquée. Que va-t-il se passer? Le prophète, alayhi salatu salam, il arrive. Et regardez ce qu'il va dire. Vous ne savez pas c'est qui que vous avez attrapé? Non, c'est Tumama ibn Athal. Lui qui a tué tous les ambassadeurs. Le pire des hommes à cette époque, c'était pas Abu Sufyan. Les historiens disent que le pire des hommes à cette époque, c'était Tumama ibn Athal, un criminel qui a tué tous les ambassadeurs de l'islam, ce qui est contraire à la diplomatie. Et regardez ce que le prophète alayhi salatu wasalam va faire. Et les sahabas sont choqués. Et ils veulent en découdre. Ils veulent lui faire la peau. Mais le prophète alayhi salatu wasalam va leur dire, est-ce que vous lui avez donné à manger? Règle numéro 1. Dans une mosquée, quand un ennemi y rentre, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne à manger. Qu'en est-il pour un musulman en 2017 qui rentre dans la mosquée? Comment on doit l'accueillir? Si on pouvait accueillir les musulmans comme on accueille les gens dans les hôtels 3 étoiles, bon sang, le monde changerait, les mosquées changeraient. Le prophète dit, est-ce que vous lui avez donné à manger? Mais dans leur tête, mais il a tué plein de musulmans. Est-ce que vous lui avez donné à manger? Non. Alors le prophète va aller voir son épouse, il va ramener du blé et du lait, il va les mélanger, il va lui donner le bol. Et regardez, il va lui parler. 1. Il ne va pas le prêcher. 2. Ni des reproches. 3. Il ne va pas le condamner. 4. Il ne va même pas le juger. Regardez ce qu'il va dire. Qu'est-ce que tu penses de toi, Tumama? Et il va répondre, hey, Mohamed, t'es un homme bon. Écoute bien. Si tu me tues, tu tueras quelqu'un qui a tué quelqu'un. Entre parenthèses, tu auras du sang sur tes mains. 2. Si tu me libères, t'es un homme bon. 3. Si tu veux une rançon, je paye. J'ai de l'argent. Et le prophète, alayhi salatu salam, va l'écouter et il ne va rien dire et il va laisser une journée dans la mosquée. Vous savez, en chirurgie, il y a des rayons laser qui tuent les calculs dans les reins. Et les mosquées, il y a des rayons d'Allah qui tuent les calculs dans les cœurs. Cet homme-là, c'est le pire des hommes dans la meilleure des maisons. Le meilleur endroit du monde. Khayrul Buqa. Ils vont laisser une journée. Et lui va observer, il va regarder. Et personne ne va le prêcher. Aucune remontrance, aucun blâme, aucun jugement. Au contraire, il est nourri, logé, blanchi, aux frais de la communauté. Deuxième jour, le prophète il arrive. Il y a une version de muslim, c'est 2 jours. Le prophète il arrive, il dit, Tumama, qu'est-ce que tu penses de toi? Il dit, eh Mohamed, si tu me tues, tu tueras quelqu'un qui a tué quelqu'un. Tu as du sang sur tes mains. Si tu me libères, t'es un homme bon. Si tu veux une rançon, je paye. Le prophète le laisse dans la mosquée, une deuxième journée, dans les rayons de l'ambiance angélique. Donc il y a les malaïka, il y a la sakina, et il y a la rahma, et il y a la umma. C'est magnifique. Il reste 2 jours. Le 3e jour, le prophète il arrive. Qu'est-ce que tu penses de toi?
Si tu me libères, t'es un homme bon. Si tu veux une rançon, je paye sur les champs. Et le prophète va dire, délier ses liens, c'est un homme libre. Les sahabas ne comprennent pas. C'est normal. C'est le coach, c'est le prof, c'est l'enseignant. Eux, ils sont là pourquoi? Pour être éduqués. Ils ont un professeur. Et ils apprennent du messager de Dieu. Ils le libèrent, ils ne savent pas ce qui se passe. Il s'en va à côté d'une palmeraie de Médine, à côté du cimetière El-Bari. Il se lave dans un puits, il revient et rentre dans la mosquée. Hey « Eh Mohamed, je témoigne qu'il n'a de Dieu qu'Allah et toi, tu es bien le messager de Dieu. » Sallallahu alayhi wa sallam. Le pire des âmes, il va se convertir. Pourquoi? Ils ne l'ont même pas prêché. Ni reproche, ni jugé, ni condamné. Au contraire, ils l'ont nourri. C'est ça la mosquée. C'est ça? Et je mets une parenthèse. Ibn Jubayr du 7e siècle, de 1155, il raconte dans son livre Tadkira al-Akhbar. Qu'est-ce qu'il dit? Que la mosquée, écoutez bien, Omeyyade, puisque le califat va se déplacer à Damas. La mosquée Omeyyade, à l'époque du calife Walid ibn Abdelmalik. Vous savez ce qu'il va faire de la mosquée? Et nous, on a 14 siècles de plus, hein. Sa mosquée, écoutez bien, ça va être quoi? Restauration, salle de sport, salle de détente, récolte de fonds, enseignement, copie de livres. Ça, c'était la mosquée Omeyyade. On ne trouve pas ça aujourd'hui en 2017. Les mosquées sont devenues quoi? Des monastères. Un peu de prière, un peu du moins, et tout le monde s'en va. Les mosquées sont devenues mortes, et les cœurs des musulmans meurent au quotidien. Puisque c'est l'endroit le plus vivant du monde. Si c'est l'endroit le plus vivant du monde, on ne le fréquente pas, c'est pas possible que nos cœurs vont vivre dans un endroit qui n'est pas plus vivant que celui-là. Je continue l'histoire. Quand il va se convertir, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, hey « Hé Mohamed, tu étais l'homme le plus détesté à mes yeux sur la face de la terre. Maintenant, tu es l'homme le plus aimé à mes yeux sur la face de la terre. » Deux. Pourtant, trois jours avant, il le détestait. Deux. Ta religion était la pire et la plus détestée à mes yeux sur la face de la terre. Ta religion est la plus aimée à mes yeux sur la face de la terre. Trois. Cette ville, Médine, était la ville la plus détestée à mes yeux sur la face de la terre. Maintenant, cette ville est la ville la plus aimée à mes yeux sur la face de la terre. Le type, il se transforme du pire des hommes au meilleur des hommes. Pourquoi? Parce qu'il est resté trois jours dans la mosquée et il n'a pas prié. À l'époque du prophète, Ibn Ishaq, il raconte, le prophète, d'après Abi Huraira, qu'un groupe de bédouins arrive à Médine et disent au messager de Dieu, on veut bien se convertir à l'islam, on ne veut pas prier ni payer la zakat. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas du tout. Aujourd'hui, ça nous dérange. Hein. Mais lui, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce que le prophète, il a une vision qu'on n'a pas. Il ne s'arrête pas. Il voit loin. Il dit pas de problème. Il dit aux compagnons, plantez des tentes dans la mosquée. Entre parenthèses, la mosquée du prophète faisait 805 mètres carrés. Et devant, c'était une moussalla. Et la majorité, c'est quoi? C'était la cour où on gérait, administrait des affaires de la Oumma. Au fond, c'était des auvents, 40 appartements à droite, 40 appartements à gauche. Et vous savez ce qu'on faisait au milieu? Dar al-Nadwa, le parlement, on gérait les affaires de la communauté musulmane. Planter des tentes dans la cour et abriter ces gens-là. Ils vont être nourris, logés, blanchis. Aux frais de la communauté, au bout de trois jours, ils vont dire, c'est bon, on commence la prière. Vous avez vu? C'est dingue, hein? Ils ont dit, on ne veut pas prier, on ne veut pas payer la zakat. On veut bien se convertir, mais là, ça s'arrête là. Pas de problème, je vais vous nourrir. Il les a nourris, et qu'est-ce qui se fait passer au bout de trois jours? C'est bon, on pratique. Vous voyez la mosquée? La mosquée, ce n'est pas un endroit de reproche, de blâme. La mosquée n'est pas un tribunal où on juge les gens. Oh, que Dieu nous protège. Combien de calomnies aujourd'hui dans les mosquées? Combien de namimas dans les mosquées? Imaginez-vous, les mosquées sont devenues des endroits où tu critiques, où tu manges la viande de ton frère. Et les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Selon le verset de Sourate Al-Hujurat, celui qui mange la viande de son frère, il va en enfer. Imaginez-vous. C'est un endroit pour se purifier, pour se corriger, pour se soigner. Alors je vais terminer la première partie de la khutbah de Jumu'ah avec ce verset du Coran. Wallah tabaraka wa ta'ala dit en Sourate Al-Tawbah, chapitre 9, le désaveu, le repentir. Regardez ce qu'Allah dit, c'est très important, verset 18 et même le verset 19. Le verset 19. Allah dit innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawm al-akhir. Certes, remplissent les maisons d'Allah ceux qui croient en lui et au jour ultime. Subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu. Bismillahir Rahmanir Rahim nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la sourate Al-Imran, eh Mohamed, si tu étais dur et rude de cœur, ils t'auraient fui, ils se seraient écartés de toi, ils se seraient éloignés de toi. Mais hamdoulilah qu'il était plein de miséricorde. Deuxième histoire, elle se trouve dans le chapitre de l'imam Al-Bukhari, chapitre 18, hadith 527. Il est magnifique. Un homme rentre dans la mosquée. Vous savez ce qu'il va faire? C'est un bédouin.
Les savants divergent sur son nom, mais ce n'est pas un problème. Il rentre dans la mosquée, ce bédouin, c'est un chef de tribu. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va uriner dans la mosquée. Les sahaba sont fous, c'est la maison de Dieu. Elle est chère, la maison de Dieu, à nos yeux. Ouais, c'est des maisons, elles appartiennent à Allah, et comme on aime Allah, les maisons sont très importantes. Il va uriner, ils vont venir pour le malmener, et le prophète il va dire stop, c'est moi le prof, c'est moi le coach. Otroku, laissez-le uriner tranquillement. Il y a plusieurs versions. Et regardez bien ce que le prophète va dire. Vous n'avez pas été suscité pour cela. Les mosquées, vous n'êtes pas venu pourquoi? Pour gêner le monde. Au contraire, les mosquées, c'est quoi? C'est pour attirer les gens et le pire des gens. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne en 2007 si un homme il rentre et il urine dans la mosquée? C'est le réactionnaire. Le prophète, il est en train d'éduquer les compagnons. Laissez-le uriner tranquillement. Et c'est vrai, c'est logique. Parce que si tu as ton enfant qui est en train d'uriner et t'arrives et tu le bloques, tu le stops, tu dis arrête, vous savez ce que vous lui faites? Vous lui faites mal. Vous lui faites mal, vous le faites souffrir. Et le prophète, alayhi salatu salam, il ne voulait pas faire souffrir cet homme, alors que j'ai les sahaba sont en train de souffrir. Parce que c'est la maison d'Allah. Et le prophète, alayhi salam, va dire laissez-le uriner tranquillement. Et une fois qu'il a fini d'uriner tranquillement, le prophète va venir le voir. Ni reproche, ni jugement, ni critique, ni humiliation, ni rabaissement. Ça ne sert à rien dans une mosquée de parler comme ça. Écoutez bien ce qui va se passer. Le prophète, il va lui faire un discours. Tu sais, la maison d'Allah, c'est un endroit où on prie, on adore Dieu, on lit le Coran. Il lui donne tous les mérites et toutes les vertus. Vous savez ce qu'il va dire l'homme? Eh Mohamed, demande à Allah qu'il soit miséricordieux avec toi et moi, pas eux. Pas eux. Pas eux. Lisez le hadith. Sois miséricordieux avec toi et moi. Le prophète va dire, tu ne peux pas restreindre une chose qu'Allah il a ouvert au monde entier. Vous savez pourquoi cet homme il a dit ça? Ibn Hajar l'explique. C'est parce que les types, là, les sahaba, ils ont voulu le démolir. Et lui, il ne savait pas que c'était interdit. Il dit, sois miséricordieux avec moi. Entre parenthèses, ça fait mal au cœur. Regardez l'ignorance à son paroxysme en 2014. Je suis parti dans un pays, mais je ne peux pas le dire par respect pour ce pays. J'avais une revue, un journal dans mes mains. Vous savez c'est quoi le journal? Ça fait mal au cœur. Dans ce journal, dans un quartier où il y a une mosquée, il y a un homme qui s'arrête en voiture, une envie pressante, c'est normal. Il se met dans un coin et il urine. Et quand il a uriné, c'était la fin de la prière du Maghreb. Les musulmans sortent, ils voient ce type uriner derrière le mur, à l'extérieur bien sûr, mais le mur de la mosquée à l'extérieur. Ils étaient fous les types. Ils l'ont attrapé, ils l'ont rentré dans la mosquée, ils l'ont présenté à l'imam. Vous savez ce qu'il a fait l'imam? L'imam il a pris une ficelle, à vous de connaître la suite. À vous de connaître la suite. Il a fait une ficelle et il l'a attaché où à votre avis? Regardez l'ignorance. L'ignorance de la communauté musulmane. Il n'y a rien de pire pour faire écœurer le monde musulman et les non-musulmans. Alors, aujourd'hui c'est la mosquée. Je vais vous donner quelques histoires importantes, pragmatiques, pour comprendre aujourd'hui le rôle de la mosquée. Allah m'a permis de revenir de l'Asie, là, il y a quelques jours, j'étais en Asie, un grand rassemblement mondial de représentants des mosquées. Même ma fille, elle était au Japon. Là, elle était au Japon, il y a 15 jours, elle m'a dit, Abi, subhanallah, khutbah jumu'ah, en turc, en anglais, en japonais, même pas en arabe. Et j'ai eu la chance de m'asseoir avec le représentant de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Thaïlande, de l'Ouzbékistan, de la Russie, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique du Nord, du Maghreb, beaucoup de pays. Et c'est dingue, mais il y a des pays dans le monde. Et aujourd'hui, entre parenthèses, il y a 3 600 000 mosquées dans le monde. En 2019, les statistiques disent qu'il y aura 3 850 000 mosquées en 2019. Vous allez en Bulgarie. Les mosquées sont construites de l'Empire ottoman du 16e siècle. Seulement en Bulgarie, il y a 1500 mosquées. 300 ont fermé. 300 mosquées ont fermé à cause de quoi? Manque d'image. C'est des super mosquées, elles sont magnifiques. À Topkuzu, c'est une ville, mosquée du 16e siècle, Empire ottoman, vous savez ce qu'elle est devenue? Un bar et un café. Voilà les mosquées. Et j'ai une liste de mosquées dans le monde qui sont devenues des bars et des cafés, mais ça va nous faire pleurer. Je préfère m'arrêter à cet exemple-là. Mais il y a des mosquées qui sont motivantes. Vous allez par exemple, vous allez aux États-Unis et il y a une mosquée qui est au centre de l'Amérique, qui s'appelle Hamtramck. Cette ville-là, elle est dans le Maryland et on l'appelle la ville aux 12 mosquées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 12 mosquées. C'est une petite ville de 22 000 habitants. Et cette ville-là, ils font l'Eden du matin au soir sur les minarets dehors. Depuis 2004, donc après septembre 2001. C'est dingue, hein? Et le jour du Eid, les deux jours du Eid, les écoles sont fermées pour tout le monde,
et les bâtiments publics. C'est dingue. Mais comment ils sont arrivés à faire ça? Une seule chose. Parce que au conseil municipal, la majorité sont des musulmans. Ça coûte 0 centime. T'as vu? Conseil municipal, il y a des musulmans. Donc, tout ce que tu veux, t'as pas besoin de sortir des millions de dollars. Aujourd'hui, on lui dit, attends, faut pas voter. Hein. Mais on restera dans la misère pendant des siècles comme ça. Parce que des types, ils nous disent, faut pas voter. Alors qu'eux, ils ont pas sorti un sou et ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils pleurent pas pour leur Eid. J'ai parlé dans l'avion avec deux types, deux médecins, un de 36, un de 40 ans. C'est deux Anglais. Ils sont responsables d'une mosquée à Birmingham. Ils m'ont dit, Birmingham, on a 300 000 musulmans, 128 mosquées, 10 000 élèves qui apprennent le Coran par semaine. Imaginez-vous, 600 savants, 80 000 personnes de Salat al-Eid avec une fête foraine. On est loin. Hein? Aux États-Unis encore, il y a une autre ville à côté du Massachusetts. C'est une ville qui a cette mosquée, fait centre commercial, mosquée, hammam, salle de sport. À Sheffield, en Angleterre, ils ont été applaudis par le gouvernement et par le ministère des sports. Ils ont fait deux mosquées avec quoi? Salle de boxe. Pourquoi salle de boxe? Ben pour aider les jeunes de sortir de la délinquance. C'est magnifique. Vous allez en Malaisie. Vous allez en Malaisie, à Kuala Lumpur. La mosquée Abdurrahman. Elle est grande cette mosquée. Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est trop fort. En association avec le ministère de la Santé, en association avec l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, et les responsables des mosquées, ils ont fait de la mosquée quoi? Un centre de quoi? Contre les toxicomanes. Pour aider les toxicomanes. Désintoxication. Mais c'est magnifique. Regardez, ils sont arrivés. Où? Les mosquées. Et nous, aujourd'hui, on est quoi avec nos mosquées? Pourquoi les gens viennent pas à la mosquée? Pourquoi les adolescents viennent pas à la mosquée? Vous savez très bien, il y a un Jumu'ah, ou excusez-moi, on comprend encore du charabia, ça fait 40 ans que c'est le même disque, en faisant faire un peu du paradis, l'affaire est classée, et on ne s'occupe pas de problèmes quotidien, pragmatique de la communauté musulmane de 2017. Donc les jeunes ne viennent pas à la mosquée, les adultes ne viennent pas à la mosquée, alors que les mosquées doivent être vivantes, animées, actives. Elles produisent des mosquées, car c'est le centre de la communauté musulmane. Si les mosquées sont vides, nos maisons sont vides. Si les mosquées sont mortes, nos maisons sont mortes. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est quoi? C'est de redonner vie à la mosquée. Remettre de la vie, remettre de l'ambiance. Rappelez-vous ce que j'ai dit, l'exemple à l'époque de l'Empire Omeyyade. Comment elles étaient les mosquées? Alors je vous donne une histoire. La première mosquée qui s'est construite aux États-Unis, c'est en 1938. Vous savez qui est la cause? 10 femmes. Aucun homme. Aucun homme. 1938. Elles se sont réunies, elles ont réuni c'est quoi? 5000 dollars. Elles ont construit la mosquée au Canada. C'est magnifique. Regardez le souci des femmes, même pas des hommes. Et il y a un homme qui est le président d'une synagogue à Ontario. Elle s'appelle Beit Israël. Entre parenthèses, je suis parti 4 fois en Israël et en Palestine. Ça m'a touché. Je suis rentré dans des mosquées, salles de sport, piscine, hammam, de 6h du matin à 22h, gratuit pour tout le monde. Après qu'on pleure pas si nos gosses de 16, 17 ans, 18 ans, ils sont à droite, ils sont à gauche. Marseille, j'en suis revenu. Marseille. Mon pote, il était à Marseille il y a 15 jours. Il m'a dit, Faïssal, c'est triste. En bas de l'immeuble, la queue leu-leu. Vous voyez, comme centre commercial. Tous les jeunes de 12, 13 ans vont racheter leur tablette de chocolat. Les mosquées ne jouent plus leur rôle. Alors, vous savez, à Ontario, ce président, c'est ce qu'il a fait? Eh bien, il y a la mosquée qui a brûlé en 2015. La mosquée, elle a brûlé. Ça a coûté 80 000 dollars de frais. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils s'est réunis avec le conseil de la mosquée et ils ont voté à l'unanimité que la synagogue, ils vont la couper en deux. En deux. Ils vont vider tout ce qu'il y a dedans. Et quoi? Ils la passent aux musulmans le temps qu'ils construisent leur mosquée. C'est magnifique. Et les musulmans, quand ils sont arrivés le jour J de l'ouverture, les enfants juifs, ils ont pris une grande banderole. Ils ont marqué quoi? Bienvenue les amis. Mais c'est pas fini. C'est qu'ils ont fait une récolte de fonds et les juifs, ils ont récolté 110 000 dollars pour la communauté musulmane. Mais loin, ça nous dépasse. Enfin, regardez la mosquée, mes chers frères. Leur rôle. Je vous le dis du fond du cœur. Si on ne met pas nos mosquées debout, actifs, on veut des projets, on veut des centres aquatiques, on est tous d'accord. On veut des écoles privées pour que nos enfants soient des cracks dans la société, médecins, ingénieurs, docteurs, dans des gros postes. On veut tout ça. Mais le pôle, c'est la mosquée. Parce que la mosquée, elle fait d'air. La mosquée, elle réunit. La mosquée, c'est la convergence. La mosquée, c'est l'union de la communauté.
Si on ne se réunit pas dans la mosquée, on ne pense pas, on ne réfléchit pas et on ne s'active pas, bon, on va souffrir. Mais ce n'est pas qu'on va souffrir, c'est qu'on va laisser la misère pour nos gosses. Et si nos enfants sont dans la misère, le jour du Qiyama, à votre avis, ils nous applaudissent ou ils nous attaquent devant Allah? Ils vont nous attaquer devant Allah, vous savez très bien. Vous pensez qu'ils vont dire, papa, vas-y, rentre au paradis. Ma'alish, je vais brûler à ta place. On se met dans l'œil. Wallah, il est temps en 2017 de commencer à s'asseoir et de penser à nos mosquées. J'étais il y a 2 jours avec des associations qui luttent contre la radicalisation. J'avais honte, il n'y a pas un musulman. Plusieurs associations qui se réunissent, c'est des non-musulmans. Pourquoi? Pour le bien-être de leur pays. Ils pensent comment lutter à la radicalisation. Et est-ce que dans nos mosquées, on se réunit, on pense comment sauver nos jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, comment nos filles, nos garçons? C'est dingue. La mosquée, c'est quoi son rôle? À quoi elle sert la mosquée? Les gens restent dans les bars et les cafés. Alors qu'en vérité, un café, tu vas le payer 1 euro. Chez toi, il coûte moins cher. Mais pourquoi les gens vont dans les cafés et les bars? Parce qu'ils trouvent quelque chose qu'ils ne trouvent pas chez eux. Ça s'appelle une ambiance. Et nous, aujourd'hui, on ne trouve pas dans la mosquée ce qu'on cherche. Parce que les mosquées ne répondent pas. Et ça, le message, je le porte au président des mosquées, aux imams, aux conférenciers. Il est temps d'ouvrir les sujets pragmatiques, les sujets d'urgence, les sujets quotidiens. Les sujets, pourquoi? Pour aider nos jeunes. Et hier soir, on avait une réunion. Et ça, c'est très important. Avance un petit peu, car là, vous récompense, il me reste 3-4 minutes. On avait une réunion hier soir. Et alhamdoulilah, on est soucieux pour nos adolescents. Les papas, je ne m'en inquiète pas. Mais nos adolescents sont à l'école, ils fréquentent pas beaucoup la mosquée, et vous savez comment ils sont nos enfants adolescents. Ils sont titillés de partout, c'est les enfants rois, pour d'autres c'est la crise de l'adolescence. Il n'y a rien, les mosquées ne présentent rien pour les adolescents. Illa rahimallah, quelques mosquées, qu'Allah les récompense, ont fait des colonies de vacances, du scoutisme, un peu de ski. Mais ça se compte sur le bout des doigts. Donc chaque mosquée maintenant, dans chaque ville, doit mobiliser les fidèles. Et vous êtes tous responsables. Vous ne pouvez pas arriver devant Allah et dire, hey Allah, j'ai fait ma prière, j'ai payé ma zakat, c'est bon, je peux rentrer au paradis. Non. C'est pas comme ça que ça va se passer. On est tous responsables. Tous les musulmans de chaque mosquée. Et si vous n'avez pas d'argent, donnez-vous idées. Si vous avez des idées, vous n'avez pas d'argent, peu importe. Quoi qu'il en soit, pensons à notre communauté musulmane. Donc c'est très important, Inch'Allah, mes chers frères et mes chères soeurs, de se mobiliser pour 2017. Si on ne fait pas en 2017, on n'aura plus de force après. On n'aura pas de courage. On ne sera pas motivé. On ne sera pas mobilisé. Donc ce qui nous booste, c'est la mosquée. La mosquée, le sujet numéro 1, c'est quoi? C'est les adultes, mais surtout les enfants. Les faire sortir. Les sortir du ski. Les sorties week-end. Les sorties à l'étranger. S'occuper de nos adolescents. C'est pour ça qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, vous savez quoi? Mais qu'il nous pardonne de notre faiblesse. On demande à Allah ta'ala qu'il nous pardonne de notre faiblesse. Allah marfila taqsirina. Pardonne notre faiblesse, Allah. Allah nas'aluka imanun kamila. On te demande la foi complète. Walisanun dhakira. Et une langue évocatrice. Wal qalbun shakira. Et un cœur craintif qui te remercie. Allahumma nas'aluka aljanna aliya. On te demande un paradis élevé. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'ai quelques annonces à faire. La première, vous savez que le mois dernier j'avais annoncé dans la khutba qu'on avait fait une intervention à l'église Saint-Paul, et Mashallah, avait le maire, et le maire adjoint, ils étaient tellement touchés que le maire adjoint, il a diffusé sur Facebook l'événement. Ils ont dit même des maires de ville vont essayer de faire la même chose, hein. Comment les musulmans vont être aussi, Mashallah, vivre avec les non-musulmans, avec les autres religions, ce qui s'appelle, le vivre ensemble. Le jumeau 1, Fatkont, il est à 13h30, alhamdoulilah. Le week-end prochain, avec Cheikh Tariq Abelwafa. Une chose importante, ce week-end, alhamdoulilah, on a les 24 heures du mois, avec Cheikh Tariq Abelwafa. Donc, le programme, c'est demain soir, samedi, à l'Isha, Dars avec Cheikh Tariq Abelwafa, avec traduction simultanée, et repas offert pour tout le monde. Dimanche, Inch'Allah, la Asr, pareil, Dars avec Tariq Abelwafa, collation offert pour tout le monde. Ce soir, arrivent 30 étudiants de l'école de Château Chinois, en sciences religieuses. Ils sont venus à Massy pour regarder comment les musulmans vivent dans la ville de Massy et comment ils sont engagés. Donc, c'est l'occasion, Inch'Allah, pour être à leur service, pour leur faire des collations, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, après, Inch'Allah. Thank you.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين